Et c'est tout, j'espère que vous avez bien, on se retrouve pour la suite du championnat 2000 de Formule 1 sur le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. On va du coup changer le setup de la voiture hein, qui n'est pas forcément bonne pour ce circuit. On va pouvoir augmenter un petit peu, baisser les ailerons. Bah, je suis déjà en low, donc finalement on va rester comme ça. On va garder la balance, le gear ratio long, je pense qu'on peut le garder en long parce qu'elle est longue ligne droite. On garde les pneus en mode hard, donc on va laisser comme ça. Et on va lancer du coup la qualification. C'est parti. Alors, qui est le plus vieux driver évolué de 2000 Formule 1 saison? Le plus vieux? Ouh, ça doit être Jean Alési. Ou Johnny Herbert, hein. Je crois que les deux ont commencé à l'année. C'était Jean Alési. C'est un Jean Alési. Mais Herbert, je crois, a fait une pige en 89 aussi. Chez Benetton, je crois. Ouais, il me semble que c'est ça. Donc du coup, bon, enfin, ça s'est passé, c'est ça. On va avancer un peu le temps. Ricardo Zonta is in pole position. Herbert out on the track. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça va bien ou bien là? Sortie des stands. Ah, je me suis fait embrocher par la Williams. Allez, c'est parti. Sur ce donc magnifique circuit de Spa que vous connaissez déjà suffisamment à force de me suivre et même si vous suivez la Formule 1 de manière générale. Ou l'endurance. C'est pas que la Formule 1 qui roule dessus non plus. Allez. Bon, le circuit est assez large déjà, comme un peu beaucoup de circuits dans ce jeu. Bon, j'ai laissé le jeu en mode plus joli. Dites-moi si vous préférez les graphismes d'origine d'ailleurs, ou les graphismes un peu améliorés comme ça. Parce que bon, si vous préférez comme ça, je reste comme ça. Si vous préférez à l'ancienne, je fais à l'ancienne. En général, dans les tests de jeu, je ne modifie pas les graphismes pour rester à l'origine du jeu de base. Mais quand je fais des séries, bah des fois, j'améliore un peu. Donc voilà, si ça vous embête pas, on peut laisser comme ça. Sinon, on revient pour ma typique origine sans amélioration. Sachant que là, le jeu il est lissé, hein, mais en vrai, ça reste toujours les mêmes graphismes que la sans player. Allez, on va arriver dans la chicane. Je crois que c'est encore l'ancienne chicane en 2000. Hein. Ouais, c'est encore l'ancienne. En vrai, la nouvelle chicane, elle est pas si mal hein, par rapport à l'ancienne. Je pense qu'ils ont pas fait d'erreur en fait en laissant. Enfin, avec la nouvelle chicane, ça a pas dénaturé le circuit. C'est pas comme d'autres circuits qui ont totalement été dénaturés avec la chicane, notamment le Grand Prix d'Espagne. Mais parce que je trouve même limite que celle de la Red Bull c'était pas forcément très intéressante à l'époque par rapport à maintenant. Parce qu'il y avait un gros freinage, puis après il y avait deux virages rapides. Alors ça c'était peut-être un peu plus compliqué à la relance à l'époque. Mais maintenant ça l'est quand même aussi en fait. Donc, finalement c'est à peu près kiff-kiff. Non, en parlant de ça, ils ont refait apparemment la montée. Hein. Du circuit de Belgique, on verra un peu ce que ça donne l'année prochaine. Moi ce que je voulais c'est qu'ils mettent du sable, apparemment c'est pas forcément le cas. Mais l'angle est un petit peu changé pour la montée. On verra bien. Et je crois que ça a été reculé aussi au niveau de là où sont les spectateurs ou les sponsors. Enfin hâte de voir ça. Au moment où on se parle là, oui, le Grand Prix d'Arabie Saoudite a déjà eu lieu, mais au moment où moi je fais la vidéo, on est après la qualification. Après la qualification du Grand Prix, justement, et donc avec la pole position d'Hamilton, mais qui aurait dû normalement être la pole position de Verstappen, mais après le aurait dû, mais malheureusement, comme on dit, il faut aller jusqu'au bout. Et la petite erreur de Verstappen va lui coûter extrêmement cher. Je ne sais pas à l'heure actuelle si il va changer de boîte ou pas. Donc je ne sais pas combien il va sur la ligne, la grille, s'il partira avec 5 places de pénalité ou en seconde place. Alors vu du choc, je pense pas qu'elle soit forcément très endommagée hein, sa voiture, mais bon, on ne sait jamais. Enfin j'espère pas dans le sens où voilà, ça serait quand même beaucoup plus classe si les deux partent sur la ligne. Enfin. Enfin, ça va être mignon puisque Bottas est deuxième, au minimum troisième pour Verstappen.
Parce que c'est un circuit où il n'y a pas que les Mercedes qui sont fortes et les Red Bull, il y a aussi la Ferrari hein, qui semble assez en forme. On l'a vu avec Leclerc 4ème. C'est Perez hein, qui est complètement absent. C'est tracé. Alors, est-ce que je vais réussir à battre mon chrono par contre là je commence à avoir un peu de trafic. On va voir si ça passe comme ça. Donc on verra pendant la course comment ça se passe. Bon, j'ai peur qu'il y ait vraiment un truc critique qui se passe pendant cette course-là. Hein. Tout le monde a peur en fait. Qu'il se passe soit un problème mécanique pour un des deux pilotes, soit un accrochage, enfin un truc voilà, qui gâcherait le suspense jusqu'à la dernière course. En tout cas, pour le moment, avantage à Hamilton sur ce Grand Prix, en tout cas au niveau du départ. En plus, il aura Bottas pour l'aider, et ça c'est quand même énorme, alors que Perez, lui, non, ne pourra pas l'aider. Donc vous aurez le résultat, évidemment. Show them what you can do, Alexander Woods. En tout cas, quelle belle fin de championnat. Espérons que Rennes soit gâché jusqu'au dernier virage du dernier Grand Prix. Alors je sais pas si je suis en amélioration ou pas, on va voir hein, dans le... Ah, on a fait une très bonne 3 de moins bien. On va faire N qualifying, yes. Et du coup, start race. C'est parti. C'était juste, hein, 2 dixièmes seulement. Next to him is Coulthard. Schumacher has secured third place. Häkkinen is fourth. Fifth place for Barrichello. Frentzen gets sixth place. Villeneuve takes seventh. Zarlo is eighth. Fisichella sits in ninth. Tenth place for Herbert. 11th is Irvine. 12th place for Diniz. In 13th place we see Schumacher. Woods takes 14th. Genet starts in 15th. Button will start 16th. 17th for Zonta. Heidfeld got 18th. 19th Mazakan qui prend de la place comme d'habitude, j'ai envie de dire. Il s'était fait remplacer Mazakan normalement. Ah non, Chimardi, non, il s'était pas fait remplacer. C'était chez Prost qui s'est fait remplacer normalement. En cours de saison. Allez, nous sommes partis. Il y a déjà le très bon départ de Coulthard qui prend l'intérieur sur nous. Voilà, là, 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 on s'est loupé. Les deux McLaren qui ont pris l'avantage. Et on va voir avec la vitesse de pointe maintenant. À la montée du rouge. Ouh, j'ai dû ralentir. J'ai dû relâcher sinon se toucher. À la VMAX, ça va le faire. Sur Häkkinen. Elle a mis deux coups de tarde. Alors comme d'habitude, hein, les pneus durs. Ouais, on va le passer à l'extérieur, c'est bon. Et on est passé. On a repris les deux positions. Alors le Grand Prix va être un peu plus long, parce que le circuit est quand même beaucoup plus long. Hein. C'est le circuit le plus long de la saison, quasiment 7 km. Je crois d'ailleurs qu'à cette époque il était encore à 7 km, hein. Il faisait 7 km et 1 mètre il me semble. Il faut logiquement mettre la pression. Alors évidemment si on prend sur le contexte historique de ce Grand Prix à l'époque, eh ben, tout le monde se souviendra, enfin en tout cas... Ou en tout cas aura eu vent de ce qui s'est passé justement pendant ce Grand Prix, c'est-à-dire la victoire d'Häkkinen et surtout le magnifique dépassement d'Häkkinen sur Schumacher, bien aidé par l'aspiration et Zonta qui se retrouve donc en plein milieu à la remontée. Schumacher qui le dépasse sur l'extérieur et Häkkinen qui en profite pour prendre le meilleur sur Zonta à l'intérieur et qui va repiquer sur Schumacher à l'intérieur et prendre le lead.
Alors que bah, il était deuxième. Et en plus on parlait là déjà de la lutte entre les deux, hein. Les deux étaient des pilotes à battre au championnat. Et ça permettra, je crois, à Kinen de repasser devant, ou en tout cas de revenir quasiment à égalité, il me semble, sur Schumacher à ce moment-là. C'est vrai que pendant la course, hein, il y avait aussi une histoire de la pluie. Et Hakkinen, qui était en tête, avait fait une erreur. Oh, attention! Oh, il va repasser, il va repasser. Attention, pas de bêtises. Oh, il est très rapide là, l'Écossais. Oh là 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 là, y a eu le gros carton. Alors je sais pas comment j'ai fait pour ne pas casser ma voiture, franchement. Parce que là j'ai pris un carton monumental. Ah par contre c'est pas bon ça, parce qu'on est deux McLaren, première, deuxième. Je vous rappelle qu'on est en lutte avec elle hein, pour le championnat, en tout cas pour la deuxième place, parce que Ferrari est loin devant. Je sais pas où est mon équipier d'ailleurs, j'ai pas vu Jordan. Peut-être elle est là, j'ai pas fait gaffe. Deux Ferrari qui sont bloqués. This is lap 3. Ouais, on va passer une des points à Ferrari, ça c'est bon. L'aspiration et la ligne droite, est-ce qu'il va se décaler pour nous empêcher de passer? Non, c'est bon. La remontée. Injury spoiled Michael Schumacher's challenge last year. So we'll never know how close the title might have been had he not missed so many races. For 2000, he's more than able support in the shape of Rubens Barrichello. And Ferrari will be hoping that this partnership will enable them to retain the constructors' title. Ouais, donc il parle d'ailleurs de Schumacher, parce qu'il parle de l'accident de Schumacher en 99, hein, qui du coup avait pénalisé Ferrari, hein, parce qu'il n'y avait que Ferrari, que Irvine dans la lutte pour le titre en 99. Et du coup il dit que normalement l'arrivée de Barrichello devrait peut-être permettre Ferrari de continuer à gagner le titre constructeur. Bon, il avait déjà gagné en 99 hein, à cause de l'erreur de Coulthard de Suzuka dans la dernière course. Ferrari avait récupéré le titre constructeur. Bon, est-ce que mes gommes vont commencer à me rendre plus rapide sur le circuit par rapport à eux? Marc Genet used to be an accountant, but he gave it up to become a driver. C'est pas mal, hein, ils font quand même pas mal d'interventions dans ce jeu à expliquer l'histoire de chaque pilote, un peu comme faisait dans Formule 97. C'est quand même pas mal, c'est super intéressant. Coulthard qui est toujours très très rapide. Extérieur la relance. Ah, j'ai mis une meilleure vitesse de pointe, donc ça devrait m'aider. Après. Marc Genet and Gaston Mazzacane are going to have their work cut out this year as they try to earn precious points for those perennial strugglers. Oh, on va y arriver, sur des Coulthards, c'est bon. At the front, we have Jarno Trulli. The Jordan is running like a dream. Oh la vache, on s'est loupé au freinage. C'est bon, on tire un peu droit. Oh, regardez la pression du pied de la McLaren. Mon dieu, ça va mal finir cette histoire. David Coulthard managed 48 points and 4th place in last year's Drivers' Championship. Whilst he's been playing second fiddle to Hakkinen for a long time, there's no doubting his ability and he must feel that his time will come soon. Alors normalement, je crois que j'avais laissé une vidéo en privé de ce Grand Prix, un petit peu résumé très rapidement sur la chaîne. Si vous cherchez Belgium 2000 sur ma chaîne, il y a le fameux dépassement et quelques passages du Grand Prix. C'est assez court, hein, je crois que c'est dans 2 minutes la vidéo. Je crois qu'elle est en privé, donc pas en privé mais en non répertorié. Donc si vous faites une recherche Belgium ou Belgique 2000, normalement vous devez la trouver. C'est une vidéo que j'avais trouvé à l'époque, un petit de Angel Fire, je crois, c'était le nom des gens qui prenaient ces vidéos quoi. Et qui faisaient des clips vidéo.
de Formule 1 qui était super bon clip d'ailleurs au passage, hein, c'était vraiment une équipe trop bien. On s'est fait repasser. En tout cas, il y a du challenge là sur cette course, ça va être très très difficile à tenir. Alors, on est au cinquième tour, je peux continuer. Soit je continue, oh, il est très proche. Soit je continue encore un tour, soit je m'arrête au stand pour repartir devant eux. Oh là là, regarde Hakkinen qui va aller chercher à une déplacée. Inspiration qui marche pas. Et ouais, il va passer. Ouais, les McLaren sont beaucoup plus rapides. Et on a cassé. On a cassé, on s'est touché. Ouais, j'aime bien faire comme Malbrandt en mode. En mode c'est incroyable. Enfin oui, c'est incroyable un peu, mais bon quand même. Ah, il va m'achever Hakkinen. On va rentrer au stand. Eh ben voilà, on est cinquième. Ah, c'est dommage, hein. C'est vraiment dommage là, parce qu'on était pas mal. Dans lui pour la victoire, je vais rentrer. Hein. De toute façon, j'ai pas le choix. J'ai en train de perdre énormément de temps. La première fois, je crois qu'on voit le drapeau jaune dans le jeu. Oh putain, vache. Eh, la voiture, elle tourne d'un côté. C'est que si je relâche d'un coup, la voiture elle vire d'un coup. Mais on avait eu les mêmes problèmes au Grand Prix d'avant. Pas derrière moi, on sait jamais. On va rentrer au stand maintenant. Five laps left in this race. Allez, on va s'arrêter au stand. On va repartir, voilà, go. Je ressors devant mon équipier, donc ça va, je suis toujours 5ème. Par contre, j'ai pas eu du temps. Bon, on gagne des pneus neufs. La voiture réparée. Maintenant, il va falloir rusher jusqu'au bout, sachant qu'il nous reste encore 4 tours à faire. Alors si j'ai un rythme plus élevé qu'eux qui ne sont pas arrêtés, potentiellement je peux m'en sortir, hein. C'est pas encore la fin des haricots. Mais bon. Alors, ils ont évidemment remplacé tous les Foster par Belgium. Sponsor alcool, on n'en veut pas. Sponsor en 2000. Et il est rapide derrière, quand même. Frenzen. Un rythme assez élevé. C'est fou qu'ils aillent aussi vite quand même. Alors j'ai trop de dommages sur la voiture, je sais pas. Ah, c'est pas possible! C'est pas possible, j'ai tué mon coéquipier quoi! Oh la vache! Si t'es dans les points, c'est pas bon. Hein. Ah, je comprends pas pourquoi j'ai pas de rythme en fait. J'avais beaucoup plus de rythme tout à l'heure. Alors peut-être parce que j'ai beaucoup plus d'essence aussi, hein. Il y a ça qui doit jouer. Eh, quoi que je suis en train de remonter sur certains pilotes, regardez. Devant moi. David Coulthard, who wants a very prompt pit stop to regain his impressive lead. Ah mais j'arrive de fou en fait. Je suis déjà remonté sur eux. The Ferrari looks very good. Regardez la différence de pneus. Gets away again. He's got a lot of work to do. Maintenant c'est à moi de passer. Yes, it's Johnny Herbert. He pulls into the pits while he's in 11th. Je vais peut-être m'arrêter encore une fois d'ailleurs pour la fin de course. Parce que là on a un rythme tellement élevé. Enfin élevé. Et voilà, le seul qui a abandonné c'est à cause de moi en plus. Et c'est mon coéquipier, bravo. Fred Z en moins. Look at Marc Genet. As he enters the pit lane, he's line 15. De remonter sur la Ferrari. Pedro De La Rosa gets away again. He's got a lot of work to do. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter à nouveau. On s'arrêtera peut-être dans un tour. Prendre le plus d'avance possible. Allez, voilà, on va jusqu'au bout. Je suis planté. J'ai pas mal d'erreurs à ce virage, hein, d'ailleurs.
Ah, ça aide vraiment d'avoir des meilleures gommes quand même. And that could really blow the race wide open. Ouais, j'ai complètement coupé. J'ai complètement coupé là, j'ai totalement loupé mon freinage. He's off onto the grass. Look at that, he's taken a shortcut. They're on lap number 8. J'ai entendu une voiture au stand, ça doit être Schumacher, ouais. To make a pit stop while he's in the lead. Yano Trulli, out in front. The Jordan is running smoothly. Allez, on va s'arrêter au prochain tour. He's got a lot of work to do. Ça dépendra de l'écart, mais bon, 6 secondes, ouais, ils vont arriver très vite. Ralf Schumacher gets away again. He's got a lot of work to do. On va voir les écarts à la fin du tour pour voir si on peut, si on peut tenir ou pas. Mika Salo gets away again. He's got a lot of work to do. It looks like he's down to 13th. Est-ce qu'on va tenir jusqu'au bout avec ses gommes ou est-ce qu'on s'arrête à nouveau? As he enters the pit lane, he's lying 19th. Gaston Mazzacane gets away again. He's got a lot of work to do. Je pense qu'il va falloir s'arrêter maintenant. He's running rings around them today. Look, he's not even pushing hard. He's barely touching the curbs. Ouais, on va s'arrêter maintenant. The penultimate lap. Yano Trulli disappears into the distance. Yano Trulli has the luxury of entering the pits in first place. Michael Schumacher is way out in front. He gets the green light. On sort juste derrière Schumacher. Et on a un tour de mieux sur les gommes. Michaelo, Ken, Irvine. Allez, un tour d'avance, un tour de mieux pour moi pour les gommes. On verra si ça passe pour le dernier tour. On verra si ses gommes se dégradent. Est-ce qu'on est déjà plus rapide que lui? Yano Trulli. Ouais, ça passe! Oh la vache, j'étais à fond! Poufoufou! Ah, bien négocié pour une fois cet ensemble de virages. Carol Frentzen had a fine season for Jordan last year, and he'll be looking to improve on his two wins and third place overall. Bon, ça ne veut pas dire que c'est fini. Hein. Il peut très bien augmenter son rythme bientôt. Bien négocié cette fois-ci. Coming to the end of lap 9. Dernier tour. Ah, il est pas loin. Il est pas loin. Alors ce qui est bien pour moi, c'est qu'Hakkinen et Coulthard sont loin. Du coup, au championnat constructeur, on devrait... Enfin, en tout cas, si on gagne, on devrait marquer plus de points qu'eux. Schumacher should take 6 points here. Et la relance n'était pas très bonne, là. Malheureusement. Oh la pression, la pression! Oh, il est juste derrière, il est juste derrière!
He only managed 2 points in the whole season. Oh my word! Ouah, il est juste là, il est juste là, il est juste là, putain! Oh, vous le voyez, il est juste derrière! Oh putain! Putain, il est juste là! Vas-y, tiens, le moteur Honda, putain! Oh la vache, jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout. Ouf. Pff, oh la remontée de Schumacher là, mais impressionnant, hein. Heureusement qu'on avait Schumacher ou Barrichello d'ailleurs. Je pense pas Barrichello plutôt. J'ai Schumacher, mais j'ai plus. J'aime plus c'était Schumacher ou Barrichello. Eh ben dis donc, quel finish. Et je pouvais pas non plus trop me caler sur lui, hein, parce que si on s'accrochait, là, c'était fini. Hein. Je pouvais limite abandonner comme ça. Ah, c'est chaud, moi, ouais, pas trompé. 5 dixièmes. Oh, la pression qu'il nous a mis. Alors, du coup, on marque 10 points. Schumacher, 2ème, Coulthard, 3, Barrichello, 4, Hakkinen, 5, Irvine, 6. Du coup, McLaren qui va remporter 6 points. On va en avoir 10, donc on prend 4 points d'avance sur McLaren. Au niveau du championnat pilote, on commence à être pas mal. Hein. Parce qu'on a quand même 19 points d'avance sur Mickaël Schumacher. C'est quasiment une victoire, quasiment deux victoires. Barrichello 3ème, 57. Hakkinen 4ème, 46. Coulthard 5, 43. Ouais, les Ferrari qui dominent largement les McLaren, hein, en tous les cas. Irvine qui marque un point de plus, du coup, qui reste 7ème avec 15 points. Et au niveau du championnat constructeur. 118 points pour Ferrari, 93 pour nous. Voilà, donc on prend 4 points d'avance sur McLaren à 89. Williams, 4ème, 17 points. Jaguar, 5ème, à 15 points. Mais c'est pas fini, hein, parce que Jaguar remonte un tout petit peu sur Williams. Benetton, je pense, va rester 6ème. Et on attend toujours les points pour les autres équipes. Et la prochaine course aura lieu donc à Monza, en Italie. Je sens que ça va être compliqué aussi. Avec la vitesse de pointe, on verra. Je savais pas que le meilleur tour d'heure a été fait par Hakkinen en 97. C'est-à-dire qu'en 98 et 99, ils ont pas fait des meilleurs tours. Pourtant, la chicane, je crois qu'elle était la même encore à cette époque. Bon. Bah écoutez, on se retrouve bientôt pour la suite. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!